Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo très très simple. Voilà, aujourd'hui, bah voilà, on est aujourd'hui quoi, c'est tout. On est le 28 septembre actuellement. Je voulais juste passer une petite soirée avec vous, aller demain, enfin me préparer avec vous et puis finir ma journée avec vous. C'est simplement ça. Aujourd'hui j'ai fini plus tôt, enfin de base j'avais fini plus tôt, sauf que... du coup en fait on est parti à Game Vert avec maman pour acheter des croquettes pour les toutous et des petites barres de céréales pour Pinette. Là c'est actuellement 18h, je vais pas perdre plus de temps à aller me laver parce que les gars c'est une des... En fait vraiment début septembre et tout à la rentrée c'était trop chiant parce qu'il faisait supra chaud. Il y a eu un moment où il faisait froid et là ce matin il a fait froid et cet après-midi il faisait supra chaud. Ne me demandez pas pourquoi je suis encore en pull d'ailleurs, même moi je ne sais pas. Mais voilà, du coup écoutez je vais me laver parce que là je me sens transpireuse, transpirante, tout ce que vous voulez. Et après bah, je pense que je vais ranger ma chambre parce que c'est pas que c'est un peu le bazar mais un petit peu quand même. J'ai du coup mes petites starlettes, je voulais juste du coup vous dire pour mes cheveux parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent c'est quoi ton shampoing, c'est quoi, enfin je sais pas. Du coup comme shampoing en ce moment je prends celui-là parce que du coup pour ceux qui ont vu ou pas, je ne sais pas, sur Instagram, je crois, je sais même plus la dernière vidéo qu'on a faite, enfin, je sais même plus en fait si j'avais mes cheveux, bref, ils sont trop beaux. C'est pour ça, bah, je dois faire des petits shampoings blonds parce que maintenant que je suis de nouveau blonde, c'est le moment, tu vois. Et après, je vais tester ça. Maman, elle m'a acheté ça et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Un petit masque, un petit, enfin, je sais pas, un après shampoing, j'en sais rien, ça a l'air d'être plutôt pas mal et j'ai vu beaucoup d'influenceuses en parler. C'est parti, on va le tester ensemble. C'est parti! Bon, mes petites starlitas, le cadre est un peu bancal, c'est pas grave. J'ai fait me doucher, le truc Redken là, il a l'air d'être incroyablement bien. Je vais enlever le reste de mon mascara avec ça. J'avais pas trop mis mascara, mais le peu qu'il y avait, bah il est là. Du coup, bah faut enlever ça, et tout de suite, parce que en fait, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. J'aime trop mettre du mascara marron. Marron le mascara, pas noir le mascaron. Le mascaron, bref. Et au moins, je vais pouvoir me nettoyer la peau. Je bouffe du truc, mais ça, c'est pas mal. Ah ! La caméra, elle me dit que je suis à contre-jour. Non, sans blague, dis-moi. Bref, on va faire un petit gommage. Du coup, je prends celui-là de chez Yves Rocher. En ce moment, je fais tout le temps celui-là. Je fais pas tous les jours, parce que sinon, ma pauvre peau, après, elle n'en pourra plus. Mais j'en fais, je sais pas, quelques fois dans une semaine. Je sais pas, ce truc, il est trop... Genre, il est frais de fou. Bon, en hiver, je vous garantis pas que je le ferai. Parce qu'il est vraiment trop froid. En fait, vraiment, genre, l'hiver, je sais pas vous, mais genre, moi, j'ai trop du mal à faire ma skincare. Ou juste, bah, d'aller me laver. Mais je crois, déjà, la douche, c'est pour tout le monde. Genre, le fait de se laver et tout, déjà, tu te laves avec une douche supra chaude l'hiver. Et après, t'es là, je veux plus sortir de la douche. Je ne veux plus. Et quand tu te laves le visage le matin et que t'es là en mode il fait supra froid et que tu te laves et que l'eau ne veut pas chauffer et que du coup tu te retrouves avec de l'eau froide sur le visage et que t'es là tu viens de te réveiller genre t'es... Oh là là, non, 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 ça je peux pas. Rien qu'en ce moment déjà j'ai du mal à me faire ma skincare le matin. Mais vraiment je ne peux pas partir en cours avec la peau qui n'est pas lavée. C'est un bien-être. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est bon, je suis bien exfoliée là. En fait, les gars, je vous ai même pas dit. Attends, je vais vous dire pendant que je fais ma skincare. Non, je vais aller m'habiller avant. Je vais m'habiller, on fait un petit skincare. Heureusement que vous pouvez pas voir l'état de mon bureau parce que je pense que là, vous aurez tous peur. J'ai trouvé un peu d'espace pour poser ma caméra. C'est le seul truc que j'ai trouvé. C'est pas grave. Bref, je mets un peu de déo. Celui-là, il pille trop. Genre, j'en ai pas trouvé un autre qui pillait moins. Genre les petits ils t'agressent moins hein, les petits machins hein. Mais bon bref du coup j'attends un peu de bruit parce que je ne supporte pas l'idée genre de rien sentir. J'ai besoin de sentir un truc. Tu vois, regardez, clairement j'ai une brume. Genre je la mets pas pour sortir ou quoi. Je la mets pour dormir. Enfin pour dormir. J'ai pas à sentir pour dormir mais genre dans la soirée tu vois. J'en ai mangé. Aussi les gars, hydratons-nous, c'est très important. Déjà, attendez, j'ai enlevé ce truc parce que je sens qu'il est en train de tomber. Là, je le sens mal, le truc. En vrai, de vrai, le truc Redken, ça va, il sent bon. Et est-ce qu'on parle que genre là, mes cheveux sont doux? Mes cheveux sont doux. Mes cheveux, genre les miens qui sont abîmés secs au possible. Je crois qu'on n'en parle pas assez. Je vais les laisser comme ça 5 minutes. Mais bon, du coup, petite skincare. Je casse tout! Mon ensemble de skincare préféré du moment. Déjà, ma lotion de chez Lancôme, ma lotion tonique. Qui est réconfortante.
Je sais pas, c'est ce qui est écrit dessus. Un skip, c'est réconfortant, donc soyons réconfortés. Et donc du coup, je disais, aujourd'hui, il y a ma prof principale en cours de SNT. Bref, elle nous a demandé demain, en gros, si vous voulez, c'est l'élection des délégués de ma classe. Et du coup, elle nous a demandé qu'est-ce qui comptait se présenter. Du coup, je mets le sérum The Ordinary, comme ça, pour les petites imperfections, parce qu'on n'en veut pas. Hop là, tac. Et donc, du coup, bah, en fait, avec Nina, on s'est dit, viens, genre, on se présente toutes les deux. On s'est présenté toutes les deux. Donc, du coup, c'est demain. Il n'y a absolument personne qui se présente, genre, vraiment. Il doit y avoir, genre, sur 36 élèves, on doit être 5. Mais vraiment, premier degré en plus. Mais bon, voilà, écoutez, c'est pas grave. Du coup, j'ai mis la crème Bioma. Voilà, parce que je vous avais demandé si vous pouvez m'en conseiller, etc. Vous m'avez dit la crème, vous voyez le spray orange là, mais en plus grand. Et du coup, j'ai pris ça, enfin la crème, parce que bah, le pchit-pchit là, il était plus. Du coup, écoutez, aussi, oh, oh, je vous ai pas montré, regardez, j'ai refait mes petits nails, ils sont trop beaux. En plus, j'ai vraiment la forme, je suis fan de cette forme là. Je les ai pas fait aujourd'hui, je les ai refait hier. Mais voilà, en fait genre elle m'a fait une petite forme ballerine et j'avais jamais fait ça. Genre j'avais fait soit du carré carré et là du coup genre c'est comme ça avec un bout. Ah c'est trop beau. Genre c'est une dinguerie. En plus la couleur genre vraiment j'ai juste fait du nude. Pour faire en mode t'as vu les ongles mais sans trop avoir d'ongles, genre ça fait naturel. On va continuer à mettre un petit sérum pour les yeux. Je l'ai eu dans un, pour ceux qui ont vu je crois que ça a été publié en short sur YouTube sur cette chaîne. J'ai ouvert une mystery box, une mystery qui parle comme ça. Une mystery box, bref, voilà, de chez Normal. Et il y avait ça dedans et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. En vrai celle que j'ai ouverte elle était vraiment pas mal. Les produits avaient beaucoup changé donc j'étais contente. Bref voilà, et comme d'habitude je mets ce truc. C'est un truc que j'ai acheté chez Normal. Pas aucun rapport avec la box là. Mais voilà, c'est un petit machin comme ça qu'on met là pour la fatigue, tu connais, parce que moi, t'as vu, j'ai des cernes. Même si j'ai beau avoir dormi 5 heures, 2 heures comme 10 heures, j'aurai toujours les cernes. Je sais pas, elles veulent pas partir. Je vais ranger un petit peu ma chambre, parce que non, mais vraiment, genre vraiment, c'est le bazar. Alors que je l'ai rangé hier, je ne comprends pas. Je pense que je vais vous poser un endroit et ça va partir en accéléré. Mais où vous posez, telle est la question. Ah, j'ouvre la fenêtre, ça fait un petit peu d'air. On aère. Est-ce que vous voyez là ou pas? C'est parti, petit accéléré. Et voilà, c'est bon, elle est rangée. Je sais absolument pas qu'est-ce que vous voyez, mais en tout cas, elle est bien rangée, ça je peux vous l'affirmer. Donc par rapport à mes petits cheveux, j'ai un petit piche-piche comme ça de chez Revlon. Ça fait très très longtemps que je l'ai. J'en mets juste un petit peu comme ça. Vous avez capté. Et je vais les brosser tout simplement. Du coup après je vais mettre un petit peu de spray pour protéger les cheveux de la chaleur tout simplement. Parce que je compte les lisser. Hop là. Donc le petit spray. Je surkiffe pas trop l'odeur hein, mais bon. Je sais pas réellement comment faut en mettre. Vaporiser uniformément sur cheveux essorés ou secs. Voilà. J'ai l'impression alors c'est de la laque pour cheveux mouillés. Et après pour finir je vais mettre ça. Je vous l'avais montré sur Instagram. Ça c'est un masque en fait que on met là comme ça simplement. Qui est sans rinçage. Et qui est plutôt pas mal. L'odeur ça va. Je l'aime bien. Ce soir je vais laisser mes cheveux sécher naturellement. Et je les lisserai par la suite. Là je vais vous laisser pendant un petit moment. Parce qu'il s'agirait que je fasse mes devoirs. Donc voilà, en plus la caméra n'a plus de batterie. Donc voilà, c'est l'occasion de vous dire ça. Donc je vous reprends dans un petit moment. Là il faut absolument que j'aille travailler. Bisous, à tout à l'heure. Mes petites stars. Du coup c'est actuellement 19h28. J'ai fait environ 45 minutes de devoirs. J'ai révisé mon histoire. Parce que du coup en gros si vous voulez là sur les séances qui précèdent et les prochaines séances, on est en train de travailler en gros, pas le développement construit mais la question problématisée. C'est un peu la même chose, mais tranquille, je vais pas vous perdre avec ça. Du coup j'ai commencé un petit peu à travailler ça. Les maths les gars, les maths, d'accord. Tout à l'heure je voulais bien comprendre, parce qu'encore c'était un peu simple. Mais alors là, je veux pas dire que je suis larguée, mais je suis vraiment larguée. Je suis perdue. Je comprends rien. Genre, il nous donne un exercice sur les résistances électriques. Je sais pas, mais je crois que c'est moi qui comprends pas. Je comprends jamais rien. Quoi. Bref, les maths, du coup, fallait faire un exercice. Et j'ai fait la moitié de l'exercice parce que je n'ai pas compris. Il y avait 3 questions, j'en ai fait 2. Voilà, j'ai fait mon espagnol, donc ça c'est bien. Et là, du coup, je pense que
je vais lire faire du hornicard. Parce que les gars, oh, je vous ai pas dit ça. Ça fait longtemps que je vous dis, je suis censée quand même passer mon code. Il y a l'aspirateur de dehors, je sais pas pourquoi il... Le bruit de fond doit être très sympa. Et oui, donc du coup, je reviens à mes petits moutons. Je disais que ça fait longtemps que je suis censée passer mon code. Genre plus d'un mois, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Là, vous voyez, il y a un truc sur Hornicard qui te dit plus l'aiguille, elle est là, plus genre t'es pas prête. Donc normalement, dès que tu commences, t'es ici. Et genre l'aiguille, elle va là-bas quand t'es prête. Sauf que moi, l'aiguille, plus je m'entraîne, donc j'ai commencé à m'entraîner, etc. Bon, elle était là. Donc plus je m'entraîne, elle descend. Et tout à l'heure, elle est remontée. Et en fait, elle est redescendue. J'y ai cru un peu au moins. Hein. C'était cool. Mais bon, du coup, voilà, je m'entraîne avec des séries de 40, des séries de 10, je varie un petit peu. Aussi, j'ai un exposé à faire en français, du coup, je vais continuer une petite recherche. Je vais faire du hornicard et je vais lire jusqu'à aller manger. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire à manger, mais il s'agirait d'y réfléchir parce que c'est déjà 19h30. Sur ce, des bisous et à tout à l'heure, mes petites stars. Je vais me faire à manger, c'est genre 8h moins 10, mais j'ai trop faim. Genre, du coup, je vais faire des petits knackis et knup. Grave, c'est grave la même chose. Des gnocchis au fromage. Parce que c'est bon. Et voilà, avec du ketchup, vraiment, c'est trop miam. Bon, du coup, les gars, pour éviter que la vidéo dure 150 ans, je vais pas trop faire durer non plus cette partie de vlog, simplement. Enfin, genre, cette soirée. Là, du coup, juste, genre, je suis sur mon lit avec des petites perles et encore d'autres petites perles. Et un livre et un téléphone pour, voilà, pour lire, pour réviser Hornicard. Et pour faire des perles, pour avoir trouvé une petite activité, t'as capté. La petite activité du jour, c'est les perles. Je vais juste faire ça de ma soirée. Donc écoutez, parce que je me connais. Moi, à partir du moment où tu me mets une caméra, je m'arrête plus de parler. Il y a un papillon, il me saoule. J'aime pas ces papillons, ils m'énervent. J'en ai tout le temps dans ma chambre. Ça me rend tendue là. Mais bon, du coup, bref, écoutez, à demain. Et petite transition si j'y pense. Coucou, comment est-ce que vous allez? Ah, la transition. Et bonjour. Oula, j'espère que vous allez bien. Je me suis réveillée. C'est 6h30, je suis fatiguée à dos à pâle. Du coup, bah, comme chaque matin, écoutez, je vais faire mon lit. Et voilà, c'est tout. Oh là là, la vérité, vraiment là. Fatiguée. Et du coup, les gars, je me suis habillée. J'ai juste mis un t-shirt comme ça. Avec un pantalon pas de def bleu. C'est tout. Du coup, je me suis rappelée, j'ai pas fait mon sac de sport. Du coup, j'ai pris un sac, j'ai mis des chaussures dedans. J'ai mis un legging. Et regardez. Ce qui est cool d'avoir un frère, du coup, qui est à Lyon. Et qui, pendant ce temps-là, ne peut pas voir que je lui prends ses petites affaires. Je lui prends un petit t-shirt. Comme ça, plutôt sympathique, hein. Moi ça me plaît. Du coup, ben voilà. À moins que le mette aujourd'hui, je suis inspirée par ce t-shirt en fait. Là, la tâche que vous voyez, c'est moi. J'ai mis un machin comme ça, un truc qui sent bon. J'aime bien quand ça sent de la lessive. Voilà, donc je sais pas, peut-être que je changerai de t-shirt au fur et à mesure de ma ciné. Je n'en sais que ti. Bref, du coup, aussi, je voulais aussi vous dire mes cheveux, j'ai l'impression que je réponds bien. Ils ont même pas trop gonflé donc. Pas de lissage aujourd'hui. Et du coup, bah écoutez, je vais aller me nettoyer le visage. Comme chaque matin. Et du coup, bah genre le matin, j'aime bien, genre prendre juste une petite mousse comme ça. Je sais même pas d'où elle vient. Donc ça, j'aime bien. Et après, on va faire une petite skincare. Et on va un petit peu se maquiller. On va commencer par le sérum. En fait, c'est une dinguerie. Genre, en gros, je le mets. Je le laisse dans son emballage. Mais pourtant, je m'en sers. Hop. Là, ça suffit. Même ça suffit parce qu'une pipette entière, ça fait trop de sérum là. Ils sont super bons. J'aime trop l'odeur. C'est une dinguerie. Venez, on fait une petite skincare. On continue dans la provençale. Hop là, hop là, hop là. Et on étale. Je crois que j'ai la crème pour les yeux aussi. Donc on va bien s'hydrater les yeux parce que là. Les gars, on dirait ça fait 15 jours que j'ai pas dormi. En vrai, hier, du coup, j'ai pas mal travaillé sur un exposé qu'on avait à faire. Donc, ça, c'est bien. Enfin, écoutez, moi, je vous propose qu'on fasse la même chose pour les yeux. Genre, on met un sérum et une crème. Donc, bah, du coup, je remets le même tutu qu'hier. Là. J'aime beaucoup ce petit truc. Là, et on met sur les yeux. Et après, bah, j'ai la crème.
enfin en gros un soin, enfin je sais pas, bref, voilà ça pour les yeux. Après, comme c'est un mini truc, je peux faire hop là, hop là. Ça, j'arrive pas à savoir ce que ça fait, mais ça fait un truc bien. Je sais pas trop comment je me maquille, mais je me maquille un peu. De toute façon, je me connais, je vais me démaquiller ce soir, ou du moins démaquiller mon teint pour refaire mon teint. Je me connais. Parce que du coup, bah, je vais chez Lisa ce soir. Mais je vous l'ai déjà dit. Oh, je sais plus. Bref, allez. Bon, du coup, je pense que je vais juste mettre une prise en accéléré ou genre pendant que je me maquille, etc. Parce que bah, c'est pas super maquillage intéressant. Tous les produits que j'utilise, c'est vraiment genre des produits que j'utilise quotidiennement. Il n'y a pas forcément de nouveaux produits. Genre, c'est des produits genre vous m'avez déjà vu maquiller avec. Il n'y a pas de nouveauté. Donc écoutez, je pense que je vais vous faire un petit accéléré. Allez, bisous. Et voilà, c'est bon, je suis maquillée. En fait, genre, j'ai l'impression que je me suis super mal maquillée pour en fait que ça fasse pas trop long accéléré. Là, parce que en réalité, j'ai filmé 11 minutes et c'est actuellement 7h15. Il y a beaucoup de mascara là sur mon œil, donc il s'agirait d'enlever. Mais je vais attendre que mon mascara sèche. Et voilà. Écoutez, je vais aller me brosser les dents parce que j'ai pas faim. Donc je pense que je vais pas spécialement déjeuner. Du coup, je change de t-shirt. Donc bah du coup mon sac de sport, faut que je mette un autre t-shirt. Et aussi faut que je pense à mettre ma genouillère. That's soul. Du coup mes Instagram m'agresse carrément. Du coup bah, j'espère que vous allez toujours aussi bien depuis la prise précédente. C'est 7h43 et je pars habituellement vers 45. Sauf que maman s'est levée il y a 3 minutes. Du coup on va partir dans 10 minutes. Enfin dans 10 minutes. Pff. Non, 7 minutes. Je commence les cours à 8h15 aujourd'hui. Et voilà, oui parce qu'en fait du coup je vous ai pas dit, je commence plus tard les cours le mardi. Du coup mes stars, là je suis avec mon téléphone actuellement parce qu'en fait ma caméra m'a lâché, elle avait plus de d'espace sur la, bah, sur la carte mémoire. Du coup bref, moi je vais en cours, là je suis arrivée, j'ai mon sac de sport, mon sac à dos tout court. Et voilà, sur ce bah moi je vous souhaite une bonne journée, des bisous. Mes petites stars, j'espère que vous allez bien. Du coup je crois que bah voilà, déjà on a encore le micro tout pété. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, je veux juste vous dire que du coup, là, j'ai fini de manger. J'ai pas trop eu le temps de vous faire une prise pendant que je suis en train de manger. Mais du coup, là, je vais repartir au lycée. Je me suis pris un bouton. Laisse tomber. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là, mais il est cool, il est content. Là, ouais, je retourne en cours. Et voilà. Du coup, ce matin, les gars, j'ai eu un 18 en espagnol. Donc, je suis plutôt contente d'avoir eu un petit 18, ça fait plutôt plaisir. Et sur un truc, enfin une restitution, je sais pas comment vous dire ça. Mais voilà, du coup, c'était plutôt pas mal. En histoire, c'était assez intéressant. Et les maths, bah, c'est que j'ai toujours pas trop compris. Mais c'est pas grave, bon, on a un DS mardi, donc il s'agirait de travailler pendant ce temps-là, Lily. Il s'agirait. Mais bon. Me connais. Là, du coup, on a l'élection des délégués. Avec Nina, on est vraiment genre les deux seules filles à se présenter. C'est vraiment genre notre classe est déserte. Genre en fait, de base, il y avait une autre personne, une autre fille, mais bon, elle a déclaré forfait. Du coup, bah voilà, c'est pas grave. Et sur ce, voilà, et après, bah du coup, j'ai sport. C'est tout. Vous voyez, vraiment, ils sont à l'aise, hein. Moi, mes vendredis sont à l'aise. Hein. C'est le seul jour qui est trop bien comme ça. Mais voilà, sur ce, bah. Les amis, du coup, j'espère que vous allez tous et tous très bien, encore une fois. Je vous ferai un petit récapitulatif de cette journée. Je n'ai pas été élue déléguée parce qu'en fait, il y en a une autre qui s'est présentée et qui a eu un vote de plus que moi. Du coup, bah, c'est une des raisons pourquoi je ne suis ni suppléante ni déléguée. Ce n'est pas grave, mais Nina est quand même déléguée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben oui, là du coup, là il y a mon copain, on va regarder là-haut et en même temps je vais faire des petites perles. Mais du coup, voilà, je me suis juste nettoyé un petit peu le visage, etc. Fait un petit peu de skincare, la même que ce matin, exactement la même. Je pense que la vidéo va s'arrêter ici parce que je compte pas me maquiller, tout ça encore, enfin tout ça. Voilà, là en fait, du coup, je suis allée me laver et je me suis mise en pyjama. Et bah, après, je me rhabillerai pour aller chez Lisa. Et voilà, c'est tout. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si le cas, n'hésitez pas à partager, à liker sur toi, vous abonner. À très prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.